certains officiers va traître va trahir position pour va sundola armement ba munitions nyons kuna na kitanga na profit ya ennemi ya mboka. Mais aujourd'hui les Ouazalendo sont trahis par les officiers de l'armée congolaise na niveau ya est. Et ça n'est vraiment pas si makane. Au Konzambo ke Sengeli ke Abengisa bango, tous ces majors, ces colonels à l'est, il faut les rappeler et les mettre dehors. Tous les Rwandais qui sont dans l'armée, il faut les mettre dehors et les remplacer immédiatement. Parce que toujours ça l'angoté et qu'aux Arabes autour baluke iska moko. Bah arto bah officier bah. Ce sont les officiers qui ont trahi, qui ont livré les informations, qui ont voulu abandonner, délaisser la ville de Kichanga, abandonner les armes, les munitions, Namaboko, Yabanguna. C'est comme ça que la ville de Kichanga a été récupérée par les M23. Et ça a été que non! Bateka ki plan boko te la bobo sala bobo sala bobo sala bobo na ba propre officier na biso. Ezali vraiment pas si makasi. Ezali vraiment pas si makasi. Monsieur le président de la République Fatou Béton, il est temps que vous poussiez prendre des décisions dures et de remplacer tous les responsables de l'armée, tous ces généraux, tous ces colonel et major du Kivu doivent être radiés de l'armée. Ce sont des traîtres. Voilà. Merci, merci Nabila Nastou, vous avez connecté vos oreilles à Babisso. Merci Naba Oyo, Babi Marabisso. Merci Naba Oyo, Bazana Souci. Yamboka, merci Naba Oyo pour soutenir Abisso. Merci Naba Oyo, parce qu'on a toujours pour nous soutenir Abisso. Là, on a Pamboli, Pasteur, Bandegounos, tout le monde a l'Abisso, Nzambalo, là. En mon abino, en tout cas, toujours dans le cadre de la Maïmatali Mboka Congo. En tout cas, tu es du source pour nous informer, Bino, Maïmazo, du Canada Mboka Abisso. République démocratique du Congo. Au juste, nini ezosama na est, tokomira ko beta masolo yango na pokwa ya lelo na bino ensemble bayimboko yoke bozo landa ebiso. Bobutayi ko apprendre ke Kichanga bazwaki yango ezali actuellement contrôlé par M23. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nakebazo à Kichanga? Bananyongo va trahir, va teki position yaba armée Nabiso pour Nake M23 va yakozwa Kichanga pour découvrir en haut n'a pourquoi l'élo mini à console Isali. Veuillez partager la vidéo, veuillez partager la vidéo. Nous sommes bel et bien en direct de Kosolo la Nabaye Mboka Bao Basipi en Mboka Congo. Donc, côté là, déjà la sujet la biso il y a l'élo. Merci Nabino Nostou. Vous partagez vidéo, vous partagez partout parce que. La vérité, il y a Mingi et Kobima n'a pas quoi le dos. Veuillez partager la vidéo. Tenez-la en bas voisin, tenez-la en bas camarade. Panzango n'a pas stati. Soutenir mon cannabis. Panzango n'a pas WhatsApp, n'a pas TikTok, n'a pas Viber. Partout, partout, panzango vidéo, n'a pas page, n'a pas Facebook. En tout cas, tous allez vraiment dans ma voix. Makasi. Nenge. Bah, M23, bah, outil pour récupérer ville ya Kichanga. Qui sont derrière cette trahison? Vous allez bien les découvrir tout au long de notre émission.
bawazale no batele maki. Kola ki samakas. Kola ki samakas. Kola ki sa volonté. Ya ko récupérer. Vive la biso. Ya ki tchanga. Et la chose étonnante est que quand nous sommes sur ma casse, bah y a beaucoup besoin d'un abuso, bah ils sont récupérés vilainement et pas y bangouna y a mboka congolais. Donc dans l'armée congolaise, vous devez le savoir que il y a eu la trahison na kati armée congolaise bien aimée. Et il y a certains officiers de l'armée qui continue toujours à travailler avec notre ennemi, avec les ennemis du Congo. Il y a toujours les officiers qui continuent toujours à travailler avec les ennemis de Bissot, les ennemis de Yamboka, qui ont accepté à travailler avec les Rwandais, les Ougandais et la MONUSCO. Vous voyez très bien que les Oiseleins font un grand travail. Mais certains de nos officiers se sont arrangés à travailler avec l'ennemi, les ennemis de la République démocratique du Congo. Y a qu'on livrer bango ba armes. Y a qu'on livrer ba armes aux Ezalaki na Kinshanga. Na maboko, y a bangouna, y a ba ennemi. Ba livrer ba armes, on ne y ni. Ba yimboka des pères et des mères, bon mirakolanda. Information très bien. Lorsque Bawazale no batelemi bazo bunda, Bazalaki déterminé, il faut obéir la bande, Bajeno maboko, population batempo nako bunde l'école. Oyo ba lobby, oyo que constitution, ils ont permettre bango ki esengeli ba défendre, moka na bango soki, ke mumuna ye, ko attaque mboka. Ko attaquer, ko envahir mboka na bino, ko boma bino. Population piazan na droit wana. Ya ko se défendre. Oye bengami, légitime défense. Ya ko si mamando ki peut ko défendre mboka na ye. Nenge moko na ba Ukraine. Na Ukraine président, senga ki population. Ba ya ba bundela mboka ba, bo mouna ki ba jen population, ba temba zo ki noko yuwa minduki. Pouna ki ba bundela mboka na bango. Ezo sama na Ukraine. Ils ont samna ba pays moussousou. Ba Israël. Et le lot tellement que na moka na biso, ba imboka. Tellement que na armé ba trik e belé zali, ba loué belé zali. Armé ko déclaré guerre kara bongote, peut-être armé ba zo banga ba sanction, ba nini patati patata. Ba zo banga. Ba makamou e belé. Ya onde armé na biso le FARDC moyeba déclaré guerre directement na Rwanda ezate. Ya onde bazo benga bango non bozela toyokana négociation non to trouver solution à l'amiable. Jusqu'à présent le FARDC n'a pas encore réagi. Le FARDC n'ont pas encore réagi. Bango ba réagir te parce que zana ba makamusu ezo kanga bango ke bazo bako déclarer mamo guerre bonte de peur que mboka na biso ezo ba sanction au cas où mais population problème exacte o ke ba wazelo no bazo sala le wazelo no bazaba bazaba population ba gêne o ke ba monique kuna na est ba bomi ba papa na bango ba mama na bango ba violer bango ba bomi ba yaya ba lek bana na bango. Batomo ki en colère wana na se yakana balobino to si mamando quand même constitution zo permettre biso article 63 ezo permettre na population ke et que qui concerne légitime défense ko défendre ma bene na bande et loko ba wazalo no bazo bazo sala etant ba si mamando ki ba komi ko bundela mboka na bango. Ba faire des mois ba réagir exacte ba vanina kimia malgré ba amba sombi ba da bien formé mais ba côte en action exacte par rapport il faut ba na ba procédure au moins que côté union boye lobby association boye lobby communauté internationale et lobby ba zo ba na ko déclarer guerre mamo de peur que ba sanctionner mboka mais le wazalo le ndenge que article 63 ils ont permettre bango
constitution zo permettre bango ndenge zo permettre na ba mboka nyonso tout ce qui mouna à côté azo boma bino boko se défendre ba simi mandoki ne boko mangi ko mona ba exploit ya ba jeune o wazalu no bazo sala ba récupérer ba village belé kuna na est ba komiti na niveau ke ba récupérer Kichanga. Et lorsque ba récupérer Kichanga partie moko stratégie ba mi, ba richesse belé za kuna ba bengani ba nguna ba 1-23 ba kimi na frappe ya ba wazalelu. Et quelques temps après, à notre grande surprise, nous sommes étonnés, nous sommes choqués. Il n'y a qu'oyo ka sangoke, ki tango o ke ba wazalelu ba bundi ba sopi makila na ba pona ke wogania ngo. Ki tango wana lelo ba 1-23 ba zui en main, ba 1-23 ba zui ki tango nene nini, boyo ka li solo. Les Wazalens, après avoir posé le contrôle à Kichanga, pour récupérer Kichanga dans ma boîte à Bamouna, Bazali, ba population, ba jeune, ba nini, bo na bo, ok, ba tempo na rebounde la mboka na bango. Tant Bazali contrôle à Kichanga, Bazali appelle ba bengi ba policier, ba bengi pena armé na biso, pour na kebaya na Kichanga. Ba jeune autant ba bengi armé, na biso baye, la police eye, pour na keba si baye kose la moussala na Kichanga ba kontrole Kichanga. Pe, la police na biso ba tchaki, état major kuna na kata Kichanga. Ba arm eye yande nandenge, ba minisu eye ba tche, état major. Mbo ke depense mbongo ebele, na ba drone, na ba munition, na ba arme lourde, na ba arme bazali ko ba tie état major na kata Kichanga. Et lorsque armée ayé été état major na Kichanga, ba s'installer wana. Makame comme ko avancer. Ba mimi ba am, ba mimi ba bilo rebele na kati ya Kichanga. Et na kati ya armé na biso, il y a des traîtres, des officiers qui sont des traîtres. Après avoir ko contrôler ko ya revoir na Kichanga, na kati toujours ya armé, il y a eu certains ya ba officiers na niveau kuna ya est. Ils ont travaillé avec ennemis pour trahir la ville de Kichanga. Ils se sont retirés. Ils ont abandonné la ville. Les munitions des armes. Ça, c'est une autre trahison. Bah, tiki ponake, bah, ennemi, bah, ya kokota na Kichanga, pe bah, récupérer armement wana. Ok, bah, milieu et bimi. Ok, ba million, ba mbongo ebele bibi pona armement wana, état-major, ezalaki ba armes lourdes, ba munitions, ezalaki wana, mboka dépense mbongo ebele. Et nenge nini armée na biso, ba se retirer. Eza vraiment passe. Bokoye ba masolan tout au long de notre émission. Ba, officier moussous ya armée, ok, bazo continue ko travailler na banguna ya mboka. Bazui ba signale. Ba Rwande, bazo travailler na Monisco na ba Rwande na ba Ugande. Parmi ba officiers, ok, baza kuna ya armé kote kuna na est. Des officiers traîtres. Ok, ba Bengi, Paul Kagame, ba signale na Monisco. Ba pesi position ya ba wazale no pe ya bango oke bazala ki kuna ba lobi soki bobo detourner bobo sala bo ebino soki bo ebiso to moyi bon to robima to rotika armement nyons bino bo récupérer ngo ba officio ba te ki plan kuna et pa banguna na biso o bazo travailler na banguna et lorsque ba te ki plan o pour que le wazale no soye tu vois ou comment. Bah, officiaux, vraiment, ils ont vraiment, pour n'en avoir mon conseil à ben, tous les officiers supérieurs, bah, généraux, bah, majeurs, bah, colonels, ok, bah, j'ai dit, non, même qu'on a eu à est, à ben, ça, bah, on peut, à l'ombre, là, bah, on a armé, qu'ils soient remplacés par les autres officiers,
à l'immédiat. Ça, c'est une haute trahison. Bana mikoyo, le wazalemo, ba bumbi, ba récupérer vide à Kichanga. Baye ba tchè état-major, kuna ba bengi la police et armée, ba yako zwa sécurité, ya place au bango ba gagné. C'est la même armée, ba officier ya armée, ba signaler ba o bazo travailler na ba mouna na ba Paul Kagame, ba Ougandé, la MONUSCO. Ba signaler ba on ba pèse ba en position. Boye l'anzela bobo sala bobo sala bo epse ki kotokomi, bo komi bino bo kote la boye, biso to robima. Eh bah t'es qui position, c'est comme ça qu'on a pu les 1-23 ont pu récupérer cette ville de Kichanga. Tant que baye bah pèse bah en position, bah on va bimbi bah qui bah abandonné bah munitions bah armes sur Tumkukuna. Et na minute au moment où je vous parle, bah 1-23 bah du bah munitions bah ok mboka na biso bah dépenser bah millions de dollars mon qui est belé bah du armement nyon soana. Ba M23 bazu yango, EAC bazu yango, la MONUSCO bazu yango. Pona ke ba bounisa biso na propre, minou ki na biso mongo to soma ki na mboka. Et lorsque officio ba teki position, ide na bango zay, ba boma ba wazalem. Pona komona ke le Rwande, bazali toujou na armée na biso. Et sengele mo konza mboka la mouka. A bengele tous les officiers étrangers bazan na katia armée na biso. Contrôle et ban à zéro ban l'âme de la moko la moko. Mais ba officier non ce qu'on a basé na est basé déjà na makila ya trahison. Ba l'uni peuple na bangote bango ba mesana déjà na makile zotanga. Ba si ba sala ba relation na ba Paul Kagame na ba Rwanda na ba Uganda. Pour na ba intérêt na bango moko ba dali prêt. Ya ko boma bande ko na bango makile ba etanga. Ndenge ba wuti ko trahir, ba sa haute trahison, ba trahir, ba wazalen, ba livrer, munitions, armement, na biso pe vi, na biso ya Kichanga na maboko. Ya ba mouna. Et senye yi ba officier wana ba zala rappeler na mokonzi ya mboka d'urgence, et qu'il soit remplacé par les autres officiers venant de Kinshasa. Pe ba zala radier na armée. Ba longo la bango na armé na biso ba sala boloko, ça c'est la haute trahison au basade. Ba livrer vie na armement na biso na maboko ya banguna. Ce sont les officiers qui ont trahi, qui ont livré les informations, qui ont voulu abandonner, délaisser la vue de Kichanga, abandonner les armes, les munitions na maboko. Yabanguna. C'est comme ça que la ville de Kichanga a été récupérée par les M23. Et ça a été que Bayagi n'a makashi na bango. Non! Pateka ki plan boko te la bobo salabo, bobo salabo, bobo salabo, na ba propre officier na biso. Et ça a vraiment pas si makashi. Et ça a vraiment pas si makashi. Monsieur le président de la République Fatou Béton, il est temps que vous poussiez prendre des décisions dures et de remplacer tous les responsables de l'armée, tous ces généraux, tous ces colonels et majors du Kivu doivent être radiés de l'armée. Ce sont des traîtres. Ce sont des gens, les bah, généraux, yo, bah, officiers, yo. Ce sont des gens qui pouvaient terminer cette guerre parce qu'ils maîtrisent très bien cette partie de l'Est. Mais ils ont voulu, ils ont choisi, ils ont accepté de travailler avec les Rwandais. Ils continuent à travailler contre la République démocratique du Congo, leur pays. C'est comme ça que guerre ils ont oscillé à niveau à Est. Parce que Bangouna baza toujours. Na armée na biso oh bazo trahir mboka na biso ezo sala biso pasi makasi na mitema na komona ke ba jeune homme ba jeune bilengo ba telemi population ba telemi pour ba défendre mboka na bango armée na biso FARDC bazo compliquant ke ba ko déclarer guerre te bazo banga ke e ba sanction ya kokweya
et population eu conscience ba jeune no ba tchè ville na ba en danger pour na ko buna ko récupérer ba ville mais tala ndenge ba officio ba mitema mabe ba demo ba ndoki ndenge ba zoa kusu ko trahi mboka ba officio bango ba futa ma mbongo à l'état ba zolia mbongo à l'état ba zolia mais ba jeune no population ba zonyo kwama ba futa ra bango na l'état te. Mais basu conscience ya ko bunde la mboka ya ko sa légitime défense au constitutionnel au permettre bango ya ko gagner ba ville ba village bango na bazwaki ya ko koma musika. Mais aujourd'hui les Wazalendo sont trahis par les officiers de l'armée congolaise na niveau ya est et zali vraiment pas si makasi. Ezo salabi so vraiment pas si makasi na mitema. Où va le Congo? Est-ce que bandeko baza vraiment na mitema ya mawa na makambo basani? Baza vraiment na mitema vraiment balingi moka na bango. Mokonza mboke sengeli ke abengisa bango tous ces majors, ces colonels à l'est. Il faut les rappeler et les mettre dehors. Tous les Rwandais qui sont dans l'armée, il faut les mettre dehors et les remplacer immédiatement. Parce que tous les salangotés et les araboto baluke isika moko. Ba acto ba officier ba sali. Ya ko trahi ba wazaline. Et ça ko décourager ba nami ba loke ba bunde la sou ma belé na bango te ou comment. Nazo comprendre te. Armo et sengele yi ke ba bunde ba défendre drapeau na bango. Ce sont les mêmes armées. La même armée ou ke bazo trahir. Ba jeune compatriote ou ba temi ko bunde la mboka na bango. Et ça vraiment passe. Congolais to salaman nenge nin. Congo ba salaman nenge nin. Nazo comprendre te. Au juste, qu'est-ce qui se passe au juste? Nambo kanabiso. Mokonzambo esengeli to bengana ba EAC. Mettez EAC dehors, c'est la demande de tout le monde. Les gens plaire à cause de cette histoire de Kichanga. Beaucoup de personnes sont en train de plaire. Nengi va récupérer vu la Kichanga. Beaucoup de gens sont choqués, touchés et plaire. Nengi va récupérer vu la Kichanga. Et ça vraiment mawa makasi. La trahison vient de s'ajouter au complot que la MONUSCO et les autres pays sont en train de faire. Tous, vous devez le savoir, que l'organisation internationale travaille contre la RDC. Ils amènent des armes dans leur bagage. Ce n'est pas seulement que la MONUSCO qui amène les armes. Pour les M23, même ces organisations internationales amènent aussi des armes dans leur bagage pour les M23. Mais après, ma complice, ma organisation internationale, la guerre atteint un autre niveau. Et les FARDC doivent déclarer la guerre contre les Rwandais. Parce que Makamo est comme aucun déjà niveau moussous. Les FARDC doivent déclarer la guerre au Rwanda. Mais comment on ne réagit pas? Nous, on cherche à être sain, à être propre, et eux, ils s'en foutent. Puisque tout le monde est tous à la sainte, tous à la propre, tout commettre par erreur, tout par crime, tout bon matin, mais bon, on s'en fout, on en a. Puisque tous les gens sont sanctionnés, puisque ou comment? Rwanda, nous sommes un État souverain. Et un autre État, ils ont quoi attaquer, puisque quoi agresser, puisque. Mais tout ça est un mot souverain, et c'est tout réagir, pé. Bah, moi bien. Bah, zoya, bah, zo, bon, ma biso, n'amboka, bah, rwandais, bah, zo, bon, ma biso, mon konzamboka, l'obéla, partout où il est passé. Fatih Beto, l'obéla, on que nous sommes agressés par les Rwandais, des Paul Kagame.
place ni fati à l'obéni à belé partout na ba pays nyons tout liboso ya communauté internationale na France na Belgique na États-Unis partout na Russie que nous sommes agressés par les Rwandais de Paul Kagame, par les Rwandais de Paul Kagame. Tout le monde sont au courant dans ma caméra de Kana Est. Mais pendant que Paul Kagame, ils s'en foutent. Ils sont sanctionnés. Armée n'a pas été foutue à Marabazali, formée, munitions, minus, caminés et outils banda. Que va rebondater. Donc, biso ba militaire, n'a biso zanet ke ba étiquette mobo ba bundarate, ba échantillon mobo ya ba soda ba bundarate. Parce que tozo banga ba sanction, ya communauté internationale. Alors, tant bango ke ba zo ko bunisa biso. Rwanda zo ya zo bo ma population na biso. Plus de 12 millions de morts. Donc, communauté internationale, ils ont sanctionné bango te. Monisco zo kangamis. États-Unis, France, Belgique, bazo kangamis, bazo monango te. Donc, Bisson est seul, tu réagis, tu déclarer guerre. Tu as commis peur que tu Rwandais, non. Tu as été sanctionné, Bisson. Et là, on est aux autres, tu as déclaré guerre. Donc, on ne peut pas réagir. Dans ma macamo, tu as monde. Donc, nous, là, on doit. On cherche à être sain, à être propre. Bango, tu as s'en foutait. Non, arrêtez avec ces histoires. La Corée du Nord. A commis des sanctions. Bah, sanctionné, là-bas, États-Unis, là-bas, France, communauté internationale. La Corée du Nord a commis des sanctions. Puisqu'ils sont sanctionnés, puisqu'ils ont des sanctions, puisqu'ils deviennent plus forts, très forts, bah, sanctionné, bah, on va dire, comment toujours ma casse? Eh bien, la sanction, bah, puisque Corée du Nord. Russie a eu combien de sanctions? Russie a eu ma casse-té? Kagame a eu un combat, mais si on a eu répliqué que tu as bombardé, tu as déclaré guerre. Et nous, là, le pays Moussous, la Corée du Nord, la Russie, la Moka Moussous, non, ils ont eu des sanctions. Mais ils ont évolué. Israël, tu as eu un combat, Israël a eu un sale. Et pourquoi pas sanctionner Israël? Et nous là, on a peur des sanctions. Quand on va faire ceci, ils vont nous sanctionner. Et non, 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 on continue à vivre car on va sanctionner. Biso patati pa ata va sanctionner biso. On s'en fout. Parce que mon équipe va contre biso. Ata va peser biso va sanction. On a tout dans notre pays et nous allons continuer à vivre dans notre pays avec la richesse na biso. C'est écus en rond. Besoin de nous, pas nous. Bah, moi, de ceux qui va sanctionner, bisous, ton ticali, n'a quoi, n'a bisous, bisous, ton zon, la richesse, n'a bisous, n'a Congo. Ton revivre, bisous, mon 5 R de la bango. Ton zon, annonce tout, n'a Congo. À ta, bah, sanctionner, bisous, ton zon, annonce tout. Ton revivre, ça, R de la bango. Bah, on est communauté internationale, bah, on est, bah, vous en a besoin, n'a bisous, par rapport à la richesse, n'a bisous. Bah, y'a bi, que le lot, ceux qui t'ont carbone, crise, et quoi, t'as Iran a des sanctions. Russie a beaucoup de sanctions. On les sanctionne. Plus, baso sanctionner, plus, baso se développer. Et nous, on a peur de quoi? Si on attaque Rwanda, on va être sanctionné. Non, Kagame nous tue, Kagame nous a tués et continue toujours à nous tuer. Depuis longtemps, on l'a déjà sanctionné où? Kagame n'a jamais été sanctionné. Le Rwanda n'a jamais été sanctionné. Mangazo Boma, Bissoso continue toujours Koboma. Bazo sanctionné. Et Bissoso sont répliqués. Ne va sanctionner Bisso. Ça, c'est quoi ça comme histoire? Bazo sanctionné. Et Bissoso, si on va nous sanctionner, on va. Et quand on va aussi tuer les Rwandais, c'est en ce moment-là que la communauté internationale va nous sanctionner. C'est pas normal.
Et si aujourd'hui on déclarait la guerre contre les Rwandais et la communauté internationale va nous sanctionner, ce n'est pas normal. Attends, pour sanctionner Bissot, on va se développer d'autres méthodes. Nous allons. On va développer d'autres méthodes, mais d'autres méthodes pour vivre sans que tout soit aide. Attends, va sanctionner Bissot. Nous allons développer d'autres méthodes pour vivre. On a tout ici chez nous. Peut-être vivre sans aide. C'est eux qui auront besoin de nous, pas nous. Nous sommes un État souverain et un autre État nous a agressés. Nous devons protéger, nous devons battre la mort. Le président de la République l'a dit plusieurs fois. Tout le monde a entendu ce que le président de la République, Fatou Bezon, disait, que nous sommes agressés par les Rwandais. Et pourquoi on ne peut pas aussi sanctionner les Rwandais à l'époque Kagame? Kagame a continué parce que Bazo sanctionné était. Parce que ça, c'est normal. C'est pour cela qu'on continue à sanctionner. Et ça vraiment passe ma casse. Où va le Congo? Torosuka wapi? Et ça vraiment passe ma casse. Na bande ko bazo la na biso na ko tcha numéro ya téléphone pour qu'on peut réagir concernant situation ya est. Et ça vraiment passe ma casse. Beaucoup qu'on réagit beaucoup ko benga na zo tcha numéro ya téléphone. Beaucoup ta rapidement. Bon meka ko réagir non. Na makamo ezo le kana na mboka na biso. Et ça vraiment passe ma casse. Ndenge ba récupérer ville ya Kichanga. Ndenge bazo bloquer mboka na biso. Tozo yebate to sala nini. Bokoko réagir na numéro ezo affiché wana na appel WhatsApp to appel normal. Bokoko ta to ya mabape na bino. Les affaires ma passe. Permettez mes affaires aux Zoka. N'ayez pas récupéré Ville Nabiso, Yakichang. Ok, bah, Wazelou, nous va saluer tout pour nous. Et les lots, certains officiers, bah, traître, bah, trahir position pour bah, Sundora, armement, bah, munitions, nous, ce qu'on a, Yakichang, n'a profit, y'a ennemi, y'a Mboka. Nous sommes un État souverain. Un autre État nous a agressé, vous l'avez dit plusieurs fois. Tout le monde a entendu ce que le président Fatou disait, dénoncer. Et pourquoi on ne peut pas aussi attaquer les Rwandais qui nous attaquent, qui nous a agressé depuis longtemps? Nous devons aussi réagir. Pourquoi Bissot peut attaquer les Rwandais? Pourquoi Bissot peut attaquer Bamote, c'est absurde. C'est pas normal. Bamoba attaquer Bissoto attaquer Bamote. C'est pas normal. Le Rwanda a commis un intouchable. Et c'est normalité. Nous sommes en direct au Kobe à la prise 243 85 28 651 46. Au Beni, au Pessima concernant Makam. Ezo Samanambo Kanabiso Congo. Et ça vraiment passe. On est en direct là. On peut participer à l'émission. Na appel en direct à la numéro touché plus 243 85 28 651 46. Toujours comme dans l'émission, on a besoin toujours comme petit à petit dans souka. Toujours quand on a 30 minutes, essayez de respecter minutes. Que la guerre soit seulement chez nous, pas chez eux. C'est pas possible. Le roi n'a rien pour moi. Biso a la guerre, la mboka, biso n'de, toko te la mboka na baonke, comme il y a biso problème. La communauté internationale protège les Rwandais de Paul Kagame. Adolphe Mozito a insisté plusieurs fois, a demandé, il faut qu'on déclare la guerre contre les Rwandais. Ça sera bon. Wana malobaya Mozito. Oh, il y a l'oba, tout l'an, il y a l'interview, il y a l'oba, il y a insisté, nous devons déclarer la guerre contre Rwanda.
pour ma camion ici là. Si on attaque Rwanda, Paul Kagame doit s'arrêter. Non, Paul Kagame doit arrêter de progresser au Congo. C'est comme ça que on va rétablir les rapports de force. Et non, car qu'il y a Maloba. Et c'est Neto là qui s'abandonne que tout le temps, ma casse, qu'on est capable de attaquer le Rwanda. Et pour Kagame, ma bêtise, non, ça remet quand on lui souste. Aoko Makobanga. Ceux qui n'ont pas de royal, n'ont pas de royal, n'ont pas de robot, n'ont pas de repérer, n'ont pas de robot. Aoko Makobanga. Dans le moment où il y a un tout le monde a été là pour attaquer, il y a un peu de répliquer. C'est pas normal. Et là, vraiment, passe. Péma, on a mis tes mains. Merci na bande réunion sur madame la kibiso. Merci na ba oyo. Bo benga rabiso bo spina misalo yo. Nzamba lola apa mole bino. Bo tika mboka kumbo na makoko ya Nzambe. Nzamba protéger les voisins de nous. Nzamba protéger mboka na biso et que ne sait ni boso. Mais mon kunza mboka esengeli a sanctionné a benga pe a kanga. Ma officier Oyo, ma équipe plan pour naquer Bajoua, vide à Kitchang, du Père Mamouna la Bissou. Et là, vraiment, passe. Plan, il y a Bamouna, il y a communauté internationale, il y a Monesco. Leur plan est que Goma soit tombé. Et si aujourd'hui Goma tombé, va éviter bien que ton ima, négociation, de bon négociation. Ndenge bazo bloquer mboka na biso tozo yebate to sala nini okoko réagir na numéro affiché wana na appel WhatsApp to appel normal bokokota to ya mabape na bino eza vraiment passe permettez mes a kozoka ndenge ba récupérer vin na biso ya kitanga oke ba wazelu no ba sali tout pour na kozwango et lelo certains officiers va traître, va trahir position pour ba sundola armement, ba munitions, nyon skuna na kitanga, na profit ya ennemi ya mboka. Nous sommes un état souverain, un autre état nous a agressé, vous l'avez dit plusieurs fois, tout le monde a entendu ce que le président Fatih disait, dénoncer. Et pourquoi on ne peut pas aussi attaquer les Rwandais qui nous attaquent, qui nous a agressés depuis longtemps? Nous devons aussi réagir. Pourquoi Bissopé Tokoko attaquer les Rwandais? Pourquoi Bissopé Tokoko attaquer les Rwandais? C'est absurde. C'est pas normal. Bangoba attaquer Bissopé attaquer les Rwandais. C'est pas normal. Le Rwanda comme il est intouchable. Et ça, normalité. Nous sommes en direct au Congo, bien à la prise 243-85-28-651-46. On est en direct là. Au Congo, bien, on peut participer à l'émission. On appelle en direct le numéro de chez plus 243-85-28-651-46. Tous les gens qui ont une émission, petit à petit, dans Souka. Vous avez quand même 30 minutes, essayez de respecter. Minute. Que la guerre soit seulement chez nous, pas chez eux. Ce n'est pas possible. Le roi Naya Koboma, il y a la guerre, il y a un problème. La communauté internationale protège les Rwandais de Paul Kagame. Adolphe Mozito a insisté plusieurs fois, a demandé, il faut qu'on déclare la guerre contre les Rwandais. Ça sera bon. Wana maloba ya Mozito. Oh ya loba loba, tolana ba interview azo loba, zo insisté, nous devons déclarer la guerre contre Rwanda. Pour na ma camion ce ici là. Si on attaque Rwanda, Paul Kagame doit s'arrêter. Non, Paul Kagame doit arrêter de progresser au Congo. C'est comme ça que on va rétablir les rapports de force. Et non, car qu'il y a Maloba. Et c'est Neto là qui s'abandonne que tout le temps, ma casse, qu'on est capable de tout attaquer pour Rwanda. Et Paul Kagame, ma bêtise, non, ça remet quand on lui souste.
aoko makobanga soki na meki ba royal na mboka na ngai eza moke ba roboma biso ba repere nyonso aoko makobanga na moma ya kalapeto mona mboka etele yo koatake mboka mosusu mboka mosusu replike c'est pas normal eza vraiment pasi pema wana mitema merci na bandeko nyonso tu balandaki biso merci na baoyo bobengaka biso bosutela misala oyo nzambe alola akwabola bino botika mboka kongo na maboko ya nzambe nzambe aprotege liwaza lelo nzambe aprotege mboka na biso ekende se liboso me mokonza mboka esengeli asanctione abenga mpe akanga baofisier oyo bateki plan mpona ke bazwa vida kitangi epai bamona na biso eza vraiment pasi plan ya banguna ya communauté internationale ya MONUSCO leur plan est que Goma soit tombé et si aujourd'hui Goma tombé bayebi très bien que tokondima négociation tokonégocie na bango plan na bango yango wana plan na bango baregne ezokota ntina ba Etats-Unis tombidi po ezali kaka ke Goma ekweya bayebi ke soki Goma ekweyi wana mokonza mboka olingaki tonégocie na bango on y appuie le M23 et nous empêche d'avancer eza vraiment pasi nzambe alola akota makambo ya kongo merci na bango bino nyonso tobolandaki biso merci na baoyo babengaka biso basutelaka mosala oyo merci na baye babengami de père et de mère bana mboka banda kongo nzambe alola amona bino baye baza na makila kongo botrahi kongo te botika bawazalendo na maboko ya nzambe nzambe abatela bango mpe nzambe abatela mboka ya Fatshi Béton nzambe aconfondre banguna na biso mpe nzambe asala justice na ye nzambe aconfondre donc je crois bien que makambo nyonso to eleka normal en tout cas ezala bien makasi merci na bino nyonso tobolandaki biso merci na pasteur refuse amisi ya la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo mokwa ya motema bivens de homo depuis Londres na mama Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston na mama mami mbunga depuis la Suisse pe na papa na biso lui mayala motema ya mama Cécile Chika Mayala depuis Canada Ottawa merci na la prophétesse de l'éternel mama Sansi Kimbangu de l'église Sycomore de Vinzamalola Apamola yo esika ozali merci qu'on se retrouve à la prochaine quant à moi je vous dis bye.